votre avis, que signifie lire? Lire signifie identifier et déchiffrer un mot écrit. Pour déchiffrer un mot écrit, il faut identifier les graphèmes, c'est-à-dire les lettres, et les transcrire en phonèmes, c'est-à-dire en sons. Par exemple, pour lire le mot « ami », on repère les lettres « a », « m » et « i ». Elles font chacune les sons « a », « m », « i ». On les assemble et ça donne « ami ». Vous l'aurez donc compris, connaître les lettres de l'alphabet et notamment leurs noms est fondamental. Plusieurs études scientifiques ont même prouvé que connaître les noms des lettres favorise l'apprentissage de la lecture. C'est pourquoi, à l'école, en classe de maternelle, une attention toute particulière est portée sur cette connaissance. Si un enfant commence à apprendre à lire sans connaître toutes les lettres de l'alphabet, alors il aura un risque de développer un trouble d'apprentissage de la lecture. Pour prévenir et aider les enfants, un modèle d'intervention de première intention a été créé. Il s'agit d'entraînements intensifs et individuels proposés par les enseignants sur le temps scolaire, destinés aux élèves en difficulté d'apprentissage. Si l'enfant continue à avoir des difficultés malgré les entraînements, alors il est plus susceptible d'avoir un profil de trouble spécifique d'apprentissage du langage écrit. Cet enfant devra donc être réorienté vers un orthophoniste pour commencer une rééducation. En juin et septembre 2021, nous avons fait le choix de proposer une intervention de première intention dans plusieurs écoles françaises. Cette intervention était destinée à des élèves en fin de maternelle et début de primaire et était axée sur la connaissance des noms des lettres. Avant même de savoir si notre intervention avait un impact sur les compétences en lecture des enfants, nous avons voulu savoir si la mise en place de ce type d'intervention au sein des écoles sur le temps scolaire était faisable. Nous avons donc proposé à 36 enfants deux sessions d'entraînement, une en juin en classe de grande section de maternelle et une en septembre en classe de CP. Chaque session comprenait 3 semaines d'entraînement quotidien. Pour chaque entraînement, nous avons utilisé le logiciel AB Lecture qui propose 2 types d'exercices. Un premier exercice de désignation de lettres. L'enfant doit écouter le nom d'une lettre et doit ensuite cliquer sur l'écran d'ordinateur celle entendue parmi 4 propositions. Un deuxième exercice de dénomination de lettres. Ici, l'enfant doit énoncer à voix haute le nom de la lettre apparue sur l'écran. À la fin des entraînements, nous avons demandé l'avis des enseignants et des enfants sur la mise en place de cette intervention. Les résultats sont tous positifs, concluant ainsi que proposer une intervention de première intention en classe de grande section de maternelle et de CP, axée sur la connaissance des noms des lettres, est faisable. L'objectif dans le futur serait de réaliser l'étude avec davantage d'élèves pour évaluer son impact sur les compétences en lecture. Ce projet permet aussi de consolider le partenariat entre l'école et l'orthophoniste, l'école qui repère les élèves en difficulté avec les entraînements intensifs et l'orthophoniste qui rééduque les enfants avec troubles de la lecture.